Bienvenue sur Channel 1. Nous saluons tout le monde, nous saluons les amis nous. Disons grand bienvenue à toutes abonnés nous, à tout le monde qui a regardé nous pour la première fois. Si vous pouvez vous abonner, nous encourager ou abonner avec Channel 1, partager avec une famille, yon zami. Je dis à nous pour montrer comment vous pouvez faire un lobster stuff qui est vraiment facile et vous pouvez faire dans un moment spécial, ok? Pour nous commencer, mais qui ça a besoin, moi j'ai crab meat, ça c'est viande crab. Moi j'ai des cuillères cream cheese, vous pouvez capable utiliser n'importe fromage ou voulez. Moi j'ai un petit Creole seasoning. Moi j'ai un petit poivre, moi j'ai un petit Old Bay, moi j'ai un petit sel, moi j'ai un petit lait pilé, moi j'ai un petit persil sèche. Moi gagné un petit l'ail sèche, moi gagné lobster, moi gagné shrimp, ribiche, moi gagné un petit morceau citron jaune, moi gagné parmesan cheese, moi gagné un petit beurre fond, moi gagné un petit Worcestershire sauce. OK, pour nous commencer, nous pourrons ouvrir l'obster. Ok, là, arrivé là au campé. On va faire un petit ouvrir l'obster. Ok, et après ça, moi fouiller même par en bas. Et puis pour moi lever l'obster. Ok? Mais c'est comme ça. Nous allons faire. Après ça, nous allons laver. Le même genre, ouvrir légèrement . OK, c'est comme ça. Et pas oublier pour nous retirer pieds lobster. M'a plavé l'on petit citron. Thank you.
Ok, ça c'est l'obstère. Après nous finir la ville. Hier, nous allons préparer la sauce. Ok. On va mettre un petit jus de citron. Un petit poivre. Un petit olbe. Je ne vais pas mettre celle-là parce que beurre. Gain celle là dedans, ok. Un petit peu de soignon. Et un petit garlic. Ok, on vient de mettre en ouvert 350. Moi, je vais mettre en bas ouvert pour 5 minutes. Ok. Mettez-le pour 5 minutes et après ça, je vais retourner sur le. Après 5 minutes, je vais retourner sur le. Quand on n'a pas ajouté, je vais plein dans la sauce là. On va le préparer. Crabe maintenant. On va mettre un petit reste là et là. On va mettre un petit jus de citron. Un petit persil sèche. Reste là. Un petit reste poivre là. On va ajouter un petit sel. On va mettre un peu de cheese. Cream cheese. On va mélanger l'ensemble, ok? On va ajouter un petit Worcestershire sauce. Et une cuillère, ok? Ok.
Ok, ça c'est quoi maintenant? Bon, on mettait en l'air donc. On est à nous pas le mettre sur oven encore pour y en l'autre 6 minutes et après ça on a pour tourner sur le pain. On a pour tourner sur lui après 5 minutes. Ok, c'est pour sa vidéo paraît, pas oublier partager, like, inviter une famille, une amie sur Chanel. Merci, à la prochaine.